Ça peut vous paraître bizarre, mais ça fait des semaines que je dors avec du tape sur la bouche. Comme vous le savez, je suis toujours à la recherche de techniques pour améliorer mon énergie, profiter plus pleinement de la vie, et le sommeil est un des piliers pour ça. Mieux dormir, c'est être de meilleure humeur, c'est se sentir plus motivé, plus capable d'accomplir ce que l'on souhaite. Ça permet bien entendu une meilleure énergie et une meilleure concentration chaque jour. Et c'est associé à tout un tas de paramètres de notre santé qui se voient améliorés, comme notre sensibilité à l'insuline ou la régulation de notre appétit. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo où je compilais 27 techniques pour mieux dormir, mais cette technique-ci n'en faisait pas partie, le mouth taping. Allez, dites-le, je sais que vous avez kiffé l'accent anglais. Bon, la vérité, c'est que j'avais déjà entendu parler de cette technique et de ses bienfaits il y a un certain temps, mais sans jamais franchir le cap et essayer par moi-même. Postulat de base de cette technique consiste à se mettre un sparadrap ou autre chose, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, sur la bouche, pour s'empêcher de respirer par la bouche pendant la nuit, c'est qu'il y a de grands bénéfices à rester dans une respiration purement nasale, parce que la respiration par la bouche entraîne une respiration principalement thoracique, peut augmenter notre stress, notre anxiété, notre système nerveux sympathique. Elle est aussi associée à des problèmes d'hygiène dentaire, une mauvaise haleine le matin, la bouche sèche, des caries en plus. Et on peut même y associer une baisse de nos défenses immunitaires parce que le nez est un véritable bouclier face aux agressions externes. Alors pour être honnête, je prépare une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet parce que quand j'ai commencé à creuser par rapport à ce mouth taping, je me suis régalé dans les recherches et on voit que ça va jusqu'à influencer la structure même de notre visage. Donc on en reparlera. Mais d'ici là, on peut comprendre que le nez est un outil extraordinaire pour bien respirer. La toute première chose, c'est que lorsqu'on va respirer par le nez, on va absorber de l'air de meilleure qualité. On peut absorber jusqu'à 20% de plus d'oxygène parce que le nez va conditionner l'air pour qu'il soit mieux absorbé dans les poumons. Dans le nez, il y a aussi des défenses, des espèces de boucliers, comme je le disais, qui vont empêcher microbes et virus de pénétrer notre système. Et un autre exemple qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que la respiration par le nez augmente la production d'oxyde nitrique, et ça, c'est directement associé à nos compétences cognitives. Bref, il y aurait tout un tas de bénéfices à respirer par le nez plutôt que par la bouche, mais au départ, je voyais pas bien l'intérêt pour moi parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir super bien dormi. Enfin, c'est ce que je pensais. Parce que même si j'ai toujours fait partie de ces gens à qui il suffit de toucher l'oreiller pour s'endormir hyper facilement, il y avait quand même quelques trucs qui clochaient. J'avais quasiment toutes les nuits un réveil avec la bouche très sèche. Vous savez, une espèce de pâteuse désagréable comme avant un événement hyper stressant. De temps en temps, il m'arrivait de retrouver mon oreiller plein de bave au réveil. Et surtout, il arrivait très souvent que ma femme me réveille en me disant « Change de position ». Parce que je faisais tellement de bruit, genre... qu'elle n'arrivait même plus à dormir. Du coup, je me suis lancé et je crois que je suis pas prêt de m'arrêter. J'ai commencé la première nuit avec ce kinésiotape, ce tape de sport qui est franchement pas approprié, on en reparlera juste après, mais dès la première nuit, ça a super bien marché. D'une part, je me suis levé le matin avec la sensation d'avoir eu un sommeil plus apaisé. Alors c'était tellement apaisé que c'était bizarre parce que j'ai eu l'impression qu'on était venu me rechercher du fin fond d'un trou quand j'ai dû me réveiller. Mais j'avais vraiment ce sentiment de calme, de sérénité. Et ça a été largement confirmé par ma femme quand je lui ai dit « Tiens, est-ce que j'ai fait du bruit cette nuit ?» Elle m'a dit « Non, 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 c'était extraordinaire, tu n'as jamais été aussi calme. » Encouragé par cette première nuit, j'ai continué à le faire et de jour en jour, j'ai vraiment senti les bénéfices. D'une part, cette sensation de calme, de tranquillité, mais aussi moins de réveil la nuit. Ça, franchement, je m'y attendais pas. C'est pas du tout pour ça que je testais et honnêtement, j'y suis allé un peu à l'aveugle pour voir ce qui allait se passer sur moi. Et a posteriori, presque 2 mois plus tard, quand je tourne cette vidéo, je pense que ce qui se passe, c'est que j'ai moins la bouche sèche, que je fais moins de bruit, que je suis moins nerveux, que du coup, je m'éveille moins. Et donc, je dois aller moins aux toilettes. Parce que depuis que je ferme la bouche quand je dors, je peux passer plusieurs heures, 6, 7, 8, j'ai déjà fait 9 heures une fois, j'étais vraiment très très fatigué, sans me réveiller du tout. Bon, à condition que mon fils ne s'en charge pas. Et ça, honnêtement, c'était pas arrivé depuis très longtemps, ou en tout cas de manière extrêmement sporadique. Pour moi, me réveiller au moins une fois la nuit pour aller faire pipi, c'était monnaie courante. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte depuis que c'était probablement pas un besoin d'aller aux toilettes qui me réveillait, mais la bouche sèche, ou cette sensation d'étouffer un petit peu, et que comme je m'éveillais, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Ça, j'ai pu le constater, parce que lorsque mon fils récemment m'a réveillé 2-3 fois parce qu'il était un petit peu malade, eh bien, dans les 30 secondes, besoin d'aller aux toilettes, versus la nuit, la veille, où j'ai pas de réveil externe,
et avec mon tape, je fais une nuit double. Alors bah évidemment, avec la bouche fermée et plus de bave sur l'oreiller, ça c'est plutôt cool. Meilleure haleine le matin, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas. Et surtout une sensation de soif qui est beaucoup moins forte quand je me réveille. Auparavant, avec ces fameux réveils la nuit, quand je devais aller faire pipi, j'avais toujours la gorge hyper sèche et j'avais qu'une envie, c'était d'aller boire de l'eau. Sauf que si j'en buvais trop, bah c'était parti pour un deuxième réveil au milieu de la nuit. Donc j'avais tendance à juste prendre une petite gorgée, me rincer la bouche et même recracher pour éviter de me réveiller encore une fois. Et désormais, je n'ai plus soif pendant la nuit, mais même le matin, pas vraiment. Enfin, avant de vous parler de quelques inconvénients, parce que l'histoire n'est bien sûr pas toute rose non plus, j'ai pu observer un autre bénéfice de cette pratique, c'est que ma respiration nasale s'est améliorée au quotidien. Je pense que d'une part, je suis en train de faire une espèce de rééducation, ça j'en parlerai dans ma prochaine vidéo sur la respiration buccale versus nasale, mais d'une autre, j'y suis naturellement plus attentif. En fait, dès que je commence à trop respirer par la bouche, je m'en rends compte et je la ferme très rapidement. Et honnêtement, ça me calme. Vous voyez, là, je suis en train de tourner une vidéo. Je suis debout, j'ai beaucoup d'énergie, je parle et donc je sais que je respire par la bouche. Regardez, si je continue comme ça à parler, qu'est-ce qui va se passer? Je vais... et puis continuer. Et ça, c'est top quand j'ai besoin d'énergie. Ça, c'est top aussi quand je vais faire un effort physique, genre quand je fais du sport. C'est plutôt cool que je puisse avoir ce backup de respirer par la bouche. Mais si je suis en train de travailler calmement à l'ordinateur, j'ai pas envie d'avoir une respiration thoracique, de m'emballer, d'avoir la bouche toute sèche. Pas trop, j'ai plutôt envie d'être posé, de pas avoir soif. Et donc, je me rends compte que je respire beaucoup plus facilement par le nez et que ça a des conséquences positives dans mon quotidien. Alors, je parlais de quelques downsides et je vais vous donner des techniques pour que vous puissiez les éviter. La première chose, c'est que j'ai utilisé un tape qui n'était pas vraiment approprié et que ça a commencé par me créer des irritations. Bon, en même temps, je m'enlève ce tape de la bouche tous les jours et à un moment donné, je remarque que j'ai quelques petits boutons ici sur le côté droit particulièrement. J'ai commencé à arracher de l'autre côté, ça allait un peu mieux, mais c'était pas dingue. Bon, la deuxième chose évidemment, c'est le look. On est bien d'accord que quand je vais me coucher avec ce style, je ne suis pas le plus sexy. Et puis, c'est pas très pratique pour faire des bisous, hein, techniquement. Donc il va falloir faire abstraction de ce look un petit peu dégueulasse ou se tourner vers quelque chose comme ceci, un petit peu plus discret. Il y a quand même un autre truc dont je veux vous parler parce que moi, ça m'a posé problème. D'une part, c'est pas possible de parler avec du tape sur la bouche. Il faut avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Et d'une autre, j'ai eu un petit rhume à un moment donné pendant ces 2 mois et j'ai été très inconforté par la toux. Lorsque j'avais besoin de tousser, j'avais un peu l'impression de m'étouffer. Du coup, je devais ouvrir, tousser, ça me réveillait très fort, c'était vraiment inconfortable. Donc je vais vous donner aussi des astuces en cas de rhume. Pour terminer, je vous ai dit que c'était absolument top de ne pas avoir soif le matin. Franchement, c'est plutôt cool parce que je me sens mieux le matin, un peu moins déshydraté, un peu moins comme ça dans le brouillard. Par contre, bah, j'ai pas soif le matin et donc j'ai pas forcément envie de boire. Alors que factuellement, on est relativement déshydraté le matin au réveil. Donc il est très important de boire entre 20 et 50 centilitres d'eau, on va dire sur la première heure, et je me suis rendu compte que quelquefois j'oubliais de le faire. Donc ce que j'ai mis maintenant en place, c'est que dès que j'enlève mon tape, je me sers un verre d'eau, que je le boive totalement ou pas immédiatement. En tout cas, je prends au moins une gorgée. Je dois un peu me contraindre à le faire, mais je sais que c'est bénéfique pour moi. Alors si vous voulez tenter l'expérience, mais que vous êtes inquiet à ce moment de la vidéo parce que vous pensez que vous allez vous étouffer, la toute première chose, c'est que j'ai envie de vous rassurer par rapport à la capacité de votre nez à tenir le coup. Si vous avez généralement du mal à respirer par le nez et que vous êtes ce qu'on appelle un mouth breather au quotidien, ça va être très intéressant de mettre quelque chose comme ceci sur votre nez. 15 à 20 minutes avant d'aller dormir, vous fermez la bouche et vous laissez le travail se faire. Je vous garantis qu'avec une respiration nasale uniquement, naturellement, tout va se déboucher et vous serez beaucoup plus confortable pour aller vous coucher. Alors comment vous bloquer la bouche pour être plus ou moins confortable? Mon choix personnel, c'est que je préfère malgré tout un tape complet sur la bouche. Mais si je prends un tape de sportif de base, ça me crée clairement des irritations. Dans ce cas-là, je vous recommande de vous tourner vers un truc hypoallergénique. En gros, j'ai démarré avec un tape comme ceci, je suis passé à celui-là. Je suis d'accord qu'à part la couleur, on ne voit aucune différence. Sauf que le bleu, il est hypoallergénique et depuis, mes boutons ont disparu. Pour celui-là, comme pour les autres, je vous mettrai les liens dans la description vers Amazon. Vous pouvez peut-être les trouver ailleurs, mais bon, moi, c'est là que je les ai achetés par facilité. Donc, c'est plus facile pour moi de vous recommander ceux-là. Maintenant, si ça vous stresse d'avoir un truc très gros, très épais comme ça, vous pourrez vous tourner vers ce genre de sparadrap, plus fin, hypoallergénique également. Et pour terminer, il y a ces petits trucs-là qui sont assez cool parce qu'on peut toujours parler, on peut toujours respirer un peu par la bouche, mais on est quand même bien bloqué. Bon, vous le voyez, moi, avec mes poils, ça tient pas de ouf, mais vous avez peut-être pas un gros bouc autour de vos lèvres, donc ça devrait bien fonctionner si vous le mettez directement
sur la peau. Ensuite, pour favoriser votre respiration nasale, il y a les bandes LED qui écartent vos narines. Et franchement, la différence avant-après est juste dingue. Et j'ai aussi testé cet accessoire qu'on va vous mettre en gros plan histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, ça vient passer ici la petite paroi au centre. Et on sent que ça dégage. Alors ma version préférée, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai tape hypoallergénique. Je sens que c'est vraiment ça qui me bloque le mieux. Si j'ajoute un écarteur nasal, alors j'ai vraiment l'impression de respirer avec une sérénité incroyable. Et c'est aussi ce que j'ai fait quand j'avais un rhume. Parce qu'avec le nez un peu congestionné, c'était franchement désagréable. Même si, comme je l'ai dit, il se débouche naturellement. Le fait d'avoir mis l'écarteur, j'avais vraiment cette impression d'avoir plus d'air qui arrivait. Et j'avais dit que je vous donnerais un conseil si vous êtes un petit peu malade. Le premier, c'est que si vous avez le nez très congestionné, je vous recommande un petit coup de spray à l'eucalyptus dans chaque narine et puis la bandelette nasale qui écarte. Et tout ça avant de mettre votre tape, ça va vous mettre bien plus en confiance. Et honnêtement, moi, j'ai pu sentir la différence. Et puis, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, si vous avez une vraie toux qui s'installe, alors mettez quelque chose de moins invasif, peut-être en vertical plutôt qu'un gros truc qui vous bloque tout. Parce que tousser en ayant l'impression de s'étouffer, c'est pas très agréable. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout. Apprendre ou réapprendre à respirer par le nez, ça peut avoir un impact positif sur notre humeur, notre énergie, notre concentration, notre santé et même notre beauté. Du coup, je vous prépare une vidéo hyper complète sur le sujet. Du coup, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour être averti lorsqu'elle sortira. Et puisque vous êtes dans cette démarche d'améliorer votre sommeil, je vous recommande cette vidéo avec 27 techniques pour mieux dormir et mieux vivre. Prenez soin de vous, on mange pour notre énergie, profitez pleinement de notre vie et on améliore notre sommeil aussi. Peace.